Mon nom, c'est Alexandre Leclerc. Je suis président cofondateur de POCA. POCA est une application développée pour les compagnies manufacturières pour améliorer la communication et la formation dans les usines. Nos clients sont principalement dans l'industrie alimentaire, matériaux de construction et aussi tout ce qui est consumer product. POCA, on a été fondé en 2013. J'ai cofondé POCA avec mon meilleur ami d'enfance. Ça fait 22 ans qu'on se connaît. On croît en moyenne de 400% à chaque année. Nous avons 32 employés en ce moment, à Québec, à Montréal, à Indianapolis et à Philadelphie. Donc, on a décidé d'investir dans un logiciel comme Salesforce parce qu'à un moment donné, la fameuse feuille Excel avec les contacts puis quoi faire, ça ne pouvait pas nous permettre de grandir assez vite, c'est pas scalable. Donc, on a regardé un peu sur le marché, qu'est-ce qui nous permettrait de vraiment bien gérer ça, de bien gérer nos leads, nos opportunités, les contacts. Puis aussi d'intégrer un peu d'automatisation à partir de nos logiciels à nous. Donc, Salesforce a été notre décision à la fin de notre process. Moi, c'est sûr que Salesforce est vraiment un peu le hub central pour tout ce qui est Customer Success, Vente, Professional Services, Partners, and Management. Nubik nous a été introduit par Salesforce. Finalement, après avoir parlé avec l'équipe de chez Nubik, on trouvait qu'il y avait un aspect très local. Donc, il y avait des gens à Québec. Nubik, tout le staff là-bas était francophone, donc on avait vraiment un bon support. Ça a été vraiment un gros aspect de notre décision, c'est d'avoir du monde local qui comprenne nos enjeux, qui peut nous supporter. Vraiment, ils nous ont demandé de bien définir notre processus de vente. C'était quoi les étapes, les stages, c'était quoi les types de clients, les types de partenaires qu'on avait, comment qu'on voulait que l'information soit partagée, qui pouvait avoir accès à quelle information. Ils nous ont vraiment dit les best practices, puis on a défini un peu les nôtres. Vincent a amené beaucoup d'idées sur comment on pourrait améliorer notre processus interne, vraiment gagner de l'optimisation. Donc, des fois, il nous a un peu ramené sur le bon chemin. Looking back now, qu'on a fait notre scoping, il est venu comprendre nos besoins. Par la suite, on a vraiment défini ce qu'on voulait. Vincent retournait à son bureau, faisait des modifications, nous contactait, on testait. Par la suite, on faisait un roll-out en opération. Puis ça a été super vite, honnêtement. Là. Ça a été vraiment une belle surprise. Et aussi, nous autres, ce qui était très important, c'est un peu d'avoir un one-stop-shop avec Nubik. C'est vraiment, là, tu vois une place, tu es capable d'avoir la réponse, puis ils sont très, très vite. Puis ce que je vois, c'est vraiment un peu comme des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs. C'est vraiment le fun. Donc, honnêtement, je le recommande à tout le monde. J'ai eu aucun enjeu avec Nubik. Ça a été un plaisir.